Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Arts Medicine, la saison 4 qui s'appelle Doctor's Oath. Je pense que ça doit dire un truc du genre le serment d'Hippocrate. Et du coup, on est de retour à l'hôpital, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, mais en tout cas, les nouveaux collègues de Allison sont vraiment pas gentils avec elle. Et elle galère un peu à concilier vie privée, vie professionnelle. Et en plus, y a une catastrophe qui va arriver, clairement une catastrophe sanitaire. Un peu du genre le Covid, on dirait, puisque les gens vont être mis en quarantaine, etc. Et je pense que l'histoire promet d'être riche en rebondissements. Par contre, il faut le dire, le système de jeu, moi je suis pas ultra fan. Parce qu'il y a l'histoire principale, donc c'est la grosse ligne là, comme ça. Et ensuite, il y a plein de niveaux secondaires qu'il faut faire en parallèle pour gagner des étoiles qui permettent de débloquer l'histoire principale. Donc là, par exemple, il me faut 65 étoiles pour pouvoir débloquer, je pense... ce chemin-là, mais là, vous voyez, par exemple, pour pouvoir passer au niveau Oz, il me faudra 90 étoiles. Donc, bon, sincèrement, j'aime pas ce concept. Mais après, ça vient du fait qu'à la base, le jeu était prévu pour mobile et que, en gros, on avait de l'énergie pour jouer des niveaux et que si on n'avait pas assez d'énergie, il fallait dépenser de l'argent. Bref, du coup, j'ai... Oh, mes oreilles. J'ai joué pas mal, donc là, je gagne des niveaux. Ah super, j'ai gagné une chaise supplémentaire, je sais pas ce que c'est, des diamants, et une pilule améliorée. Ah bah dis donc. Ah mais oui, c'est parce qu'en fait j'ai gagné plein de niveaux sans cliquer sur le bouton. En fait j'ai joué toute cette lignée ici, avec tout plein de petits niveaux, genre par exemple à un moment donné il fallait trouver plein d'Oliver et cliquer. Et bah, par exemple, typiquement, voilà ce niveau, il fallait trouver plein d'Oliver et gagner des points. Et alors, en vrai, c'est dur parce qu'en fait, vous voyez, il faut gagner les 5 étoiles. Moi, j'avais l'impression d'être bon et en fait, non, j'ai que 3 étoiles et demie. Là, c'est pareil, j'ai que 2 étoiles alors que je pourrais en avoir 5. Et du coup, bah écoutez, on va débloquer le chemin ici, comme ça me permettra de le faire plus tard, voilà. Alors là, je vous le montre. Hein. Ok, il y a des nouveaux trucs qui sont apparus à la... Bah, tenez, on va prendre un lit supplémentaire, j'en ai besoin. Une chaise supplémentaire... 600, oh purée, mais j'ai 3000 coeurs, j'avais même pas 20. Combien de sorties, plus 8 coeurs, et ben voilà, comme ça on va gagner plein d'argent. Attendez, vitesse Allison, voilà, on va augmenter. Donc voilà, je disais, là je vous le montre parce que voilà, c'est le côté nouveauté. Mais après je pense que tous ces aspects là je les ferai hors caméra. Si vraiment vous voulez que je le fasse, attends, on va faire de la patience pour la chaise en caméra, dites le moi, attends, on va faire une chaise de plus. Les chaises, bah écoutez, je vais tout acheter et puis c'est tout quoi. Il me reste encore... Bah, je vais tout acheter. Voilà. Et voyez, ça, typiquement, c'est des trucs qu'on trouve dans les jeux mobiles, quoi. Alors, voyons voir la collection. Ok, parfait. Donc, ça va être livré la prochaine fois. Ah oui, alors, voilà. Bon, ça aussi, je vous ai pas montré, du coup. J'avais commencé tout seul, mais après, voyez, on trouve des pièces de puzzle. Et on peut faire des... reconstituer des scènes de l'histoire, en fait. Et ensuite, ça nous met une petite cinématique. Donc, bon, on l'avait déjà vu quand on l'avait fait la première fois, mais bon, écoutez, on va la revoir. Et lorsque le détecteur émet un bip, je dois vérifier. Bonjour, Javier. Bonjour, docteur Sam. Mep, mep, mep. Bah, pourquoi tu... Je suis désolé, monsieur, je dois vous fouiller. Mais je suis chirurgien dans cet hôpital, ça fait des mois que je travaille ici. Je sais, écartez les bras, s'il vous plaît. C'est un scandale, vous avez laissé passer Sam sans la fouiller. C'est une charmante dame. Ah bah voilà, le sexisme ordinaire. Et moi, Chico, juste, pas une charmante dame, c'est certain. Rien à signaler. Ouais, ben, bah, t'élèves pas bien ton enfant. Hein. Et voilà comment ton papa veille à la sécurité de cet hôpital. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et maintenant, place à l'une des activités les plus importantes de la journée, la lecture de l'horoscope. Ah oui, non, 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 c'est pas des bonnes valeurs que tu apprends à ton fils, hein. Page 2, poisson, c'est là. Et vous, alors, c'est quoi votre signe du zodiaque? Vous allez vous enrichir. Oh, je sens que je vous disais bonjour de change, je vais enfin pouvoir acheter une nouvelle voiture. Oui, bah super, hein, l'argent tombe pas du ciel. Une nouvelle maison pour m'aimer, un super collier pour ta maman. Voilà, le sexisme encore. Genre, la voiture pour lui, le collier pour la femme. Et bah, la femme, elle a peut-être pas envie d'un collier. Non, mais dis donc. Des bonbons! Oh là là, tu peux faire mieux, fiston. Bah écoute, il veut des bonbons à ce moment-là, il prend des bonbons. Ah, c'est Sophia! Bonjour docteur Sophia, comment va le petit bébé aujourd'hui? Très bien, merci Javier. Et elle n'a pas sonné. Oh! Oh! Pas pourquoi c'est lui qui ramasse? C'est à vous? Non, vous pouvez le garder. À plus tard. Et ben voilà, c'est le début de la fortune, une pièce d'un euro. Je m'attendais à gagner un peu plus, à vrai dire. Ah, donc Snuggford, c'est pas du tout aux États-Unis, c'est... c'est en Europe.
Et ben voilà, le début de la fortune, va t'acheter des bonbons, mon petit. Ouais, youpi, allez, salut. Oh, je t'aime, papa. Ouais, bon, c'est un peu malaisant quand même cette séquence. Hein, je suis fauché, mais riche d'amour. Ouais, bon, allez, ça va. Ça va, on va dire que la morale est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a des trucs à découvrir? Ah oui, donc il faut que je débloque des trucs à la boutique. Ah, mais oui. Bah ouais, j'ai même pas pensé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai gagné des cœurs. Ah bah super, je vais pouvoir acheter des trucs à la boutique. Et vaincre la montre. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est quoi? Au fil du jeu, des messages perdus peuvent être retrouvés dans des niveaux spécifiques. Ces messages vous offriront des informations supplémentaires sur l'histoire et les personnages. Utilisez le bouton Montrez-moi pour voir où les messages peuvent être découverts. Bonne chasse. Ok, ça doit être là, peut-être. Ok, bon, bah, l'occurrence, ça m'apprend rien. Et école buissonnière, il est là. Ah, trouver l'objet caché dans ce niveau pour débloquer le message perdu et trouvé. Ok, et bah, c'est parti. On va faire ça. Et on va essayer de trouver le message. Et on se retrouve à la fin de la journée. Ah oui, purée, il y a toutes les livraisons en plus. Ah non, vraiment, j'aime pas ce... Bon, au moins... Oh, pas mal. D'accord. Ah super, elle a des nouvelles chaussures, du coup elle marche plus vite. Ah bah super, comme ça je vais pouvoir gagner plus d'étoiles. Bah, c'est pour ça que je galérais, c'est parce que j'avais pas de bonus. Allez, parfait. Bon, on se retrouve à la fin de la journée, dès que j'ai trouvé le message caché. À tout de suite. Bon, écoute, c'est la fin du niveau, j'ai pas trouvé le message caché, donc j'ai pas tout compris. Ou alors, il faut finir le niveau en ayant réussi le bonus, je sais pas trop. Ok, bah attendez, j'essaie de cliquer sur des endroits qui ressemblent à des messages. Ah, mais purée, je suis nul. Ok, j'ai trouvé le message, bah voilà. En fait, c'était simple. Et j'ai fait le bonus, voilà. Et du coup, cette fois-ci, je vais peut-être avoir plus de points, je vais avoir... Voilà. Ah non, j'ai que 3,5, alors je comprends pas comment je peux faire pour avoir 4, c'est dingue. J'avoue. Pourtant, en vrai, vous savez, si vous m'avez vu jouer aux autres jeux, vous savez que je, globalement, je joue plutôt bien, mais alors c'est vraiment étonnant, quoi. Alors... C'est de Ryan. Non, c'est de Allison à Ryan. Salut Ryan, comment ça va, maman? Ah, mais Ryan, c'est la sœur de... C'est le frère de Allison. On a découvert ça dans la saison précédente. Comment ça va, maman? M'a dit que tu n'étais pas allé à l'école la semaine dernière. Je sais que c'est difficile de trouver une vie normale après ce qui est arrivé à maman l'année dernière. Mais tu ne dois pas prendre de retard. C'est important de trouver une petite routine. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je ne suis pas ta sœur depuis longtemps. Et peut-être que tu n'as pas envie d'avoir mon avis ou mes conseils. Mais aller à l'école, c'est essentiel. Et si jamais tu as un souci, je suis là pour t'écouter. Souviens-toi que si tu peux vraiment être concepteur de voiture, si tu veux vraiment être concepteur de voiture de course plus tard, tu dois assurer en maths. Je t'aime, Ali. Très bien, bon allez, écoute, on va continuer sur principal parce que là ça fait quand même 8 minutes que je joue et on n'a rien fait. Ah bon, ce virus est toujours inactivé? Ah bah puisqu'il faut que je fasse ce niveau d'abord. Je suis un peu bête. Ah c'est Chance. Bonjour Allison, ah ça fait plaisir de te voir, ça fait des lustres qu'on ne s'est pas croisés. Bonjour Chan, je pense souvent à toi, il faut dire que ton service est loin du mien. Pour venir déguster un thé aux herbes avec toi ici, il faudrait une pause au moins une heure et c'est impossible quand on est interne. Mmh. Oh. Ça c'est Connor, c'est l'ex de Allison. Je déteste les hôpitaux implantés en plein centre-ville, impossible d'emmener Princesse vers une promenade correcte. Ça va être le bureau des pleurs, l'ascenseur. Ça, c'est l'ancien directeur de l'hôpital, prêt pour une nouvelle journée de travail. Super fun, John. Oh, sais-tu exactement en quoi consiste mon travail dans cet hôpital? Non. Eh bien, on est deux comme ça. Ah, c'est Ruth, je l'adore. C'est un de mes personnages préférés. Personne ne respecte nous autres, les anciens de Little Creek. Je suis d'accord, je suis censé co-diriger le laboratoire avec Ulrika, mais aucune de mes propositions ne trouve grâce à ses yeux. Et en plus, elle déteste Oliver. Ah, vous et vos animaux. Allez, vas-y, comment on se plaint, là? Mason, lui, c'est... Non, c'est... Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Oh non. Sophia! Je déteste cet ascenseur, il est tellement lent. Oui, j'ai le sentiment d'être là depuis des heures. Moi, c'est l'occasion de vous dire bonjour et d'organiser une soirée. Bon, allons, tout n'est pas si terrible que ça en a l'air. Vous devez tous faire un petit effort. Oui, comme toi avec Aubrey, c'est ça. Hein? Aubrey, c'est la méchante, il sort avec elle, du coup. Vous savez, la méchante... Oh, est-ce qu'elle a zone de quarantaine de Little Creek ou quelque chose de ce genre? Faut-il enfiler une tenue de protection? Ouh, oh non, mais arrêtez vos cinémas. Oh, mon
sortir. Mais quel salopio celui-là alors. Hé, hey, comment appelle-t-on un interne en médecine qui n'a que des CA à ses examens? Il va dire une Allison, c'est ça? Ou une Hart? On ne l'appelle pas, à moins d'être fou. Oh, ma vanne, je suis tellement fier. Bah quoi, c'était marrant, non? Et vous savez comment est-ce qu'on appelle un ascenseur au Japon? En appuyant sur le bouton. Tata! Badum! Non, tu as cet étage aussi? Ah, je crois que ça va marquer le début d'une belle amitié. Ah, purée, le malaise, c'est cringe, cringe, cringe. Salut Stan. Ah oui, c'est l'homme à tout faire. Et il rêvait de devenir le héros d'un jeu vidéo. Du coup, peut-être qu'il aura son heure de gloire à un moment donné dans ce jeu-là. Oh là là, c'était malaisant. Bon bah écoutez, on se retrouve à la fin de la journée. Il faut que j'aide Grant tout au long de la journée avec au moins 20 coeurs. Ok, et bah à tout de suite. Mais il est où Grant? C'est pas lui? Ok, allez, à tout de suite. Oh, fin de la journée. Bah dis donc, j'ai cliqué vite là pour faire venir des patients. Ah pardon, je pensais t'avoir cliqué là. Toi tu viens là, toi tu fais ça. Je te prends le marteau, je te fais ça, je te donne. Toi je t'envoie au service... toxicologique et je nettoie et j'attends qu'il revienne. Et bah c'est bon, en plus j'ai fait la quête. Allez, on va attendre qu'il revienne. Comme ça on va faire un méga combo. Et voilà. Ah non, il a pas les cœurs d'or, je suis un peu déçu. Bon là moi j'ai les 5 étoiles quand même. Merci. Bah parfait. Hop là. Ouh, nouveau mini-jeu. Ah trop bien ça. Hey, mais j'avais pas eu ça la dernière fois d'ailleurs, ça me dit rien. Ah c'est rigolo. Ou alors ils ont rajouté des nouveaux mini-jeux. Parce qu'en fait j'étais allé plus loin que ça dans l'histoire. Et je me rappelle pas avoir ça. Je voudrais que vous m'accordiez une deuxième chance de réussir tous mes examens du semestre. Sinon je ne décocherai pas mon diplôme. Je n'abaisserai pas mes exigences. Sous prétexte que vos supérieurs à Little Creek n'ont pas su vous guider dans vos études. Mais je vais à tout prix devenir médecin. J'en rêve depuis que je suis petite. Et moi je voulais devenir pianiste professionnel. Mais je suis là et je me plains pas. Alors mettez-vous au travail mademoiselle Hart. Et concentrez-vous sur l'avenir, pas sur le passé. Si vous souhaitez réussir ce stage, vous devrez briller lors de la prochaine présentation de dossier. Il a l'air un peu famélique quand même, le pauvre... Hein? Non? Et c'est maintenant. Grant Douglas, 30 ans, se plaint d'une perte soudaine de sensation au niveau de la jambe droite. Mademoiselle Hart, quelles sont les causes possibles? Eh ben, une paralysie du nerf sciatique poplité externe. Il peut s'induire du syndrome de Bernard Roth, une neuropathie diabétique. Ouais, ou... Pourquoi elle est si loin? Tu vois, chérie, il recommence, il parle de moi comme si je n'étais pas dans la même pièce que... Je suis peut-être devenu invisible. Oups. Il peut également s'agir d'une fibromyalgie, de signes annonciateurs d'une sclérose en plaques. Oh non, mais n'allons pas si loin quand même. Oh, sa main, elle est violette, regardez. Oh, regardez, mais qu'est-ce qui... Oh non, il se m'a bavé. Non. Non. 50 000 grammes de midazolam, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Ah bah bien sûr, il a fallu que Aubrey y aille à ma place. Et voilà. C'est une nouvelle maladie qui se répand à la surface de la Terre. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vous ai fait peur? Vous êtes bien pâle. Oh, 7 semaines plus tard, non. J'avais oublié ça. Oh, regardez, il y a tout le monde, il y a le directeur, il y a Connor. Oh mon dieu, j'avais oublié. Oh, l'état d'Hermès s'aggrave de minute en minute. Il n'y a pas de musique. Soigner les patients, c'est une chose, mais il est question de nos collègues, là. Oh, si ça continue, ils ne passeront pas la nuit. Oh non. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Et Allison, son état est stable. Oh, elle aurait su quoi faire, elle avait toujours de bonnes idées. Oh non, oui, si ça, je me souviens. Oh là là, Allison. Et ça, c'est sa mère et son frère. Oh, purée, mais j'avais oublié. Pourquoi y a plus de musique? Mettez de la musique, s'il vous plaît. Eh ben. Pfiou! Allez.
certaines sections de la carte sont verrouillées, touchez le verrou pour savoir comment l'ouvrir. Pardon, apparemment ce verrou à étoiles requiert de notre part de gagner 30 étoiles. Et ben on l'a fait, donc on... Ah ok, j'avais peur que là ça soit bloqué et tout. Bah du coup on va faire encore un niveau par exemple, je vous propose. Bon après il y aura des moments où on sera obligé de jouer en parallèle. Ah, bah d'ailleurs c'est vrai que quand j'ai débloqué ça tout à l'heure, j'ai ouvert cette série là. Ah et là il manque une pièce de puzzle. Et ben écoutez, bah je vous propose, je vais faire ça hors caméra, je vais faire ça. Et comme ça j'aurai une pièce de puzzle. Attendez peut-être que... Ah ce puzzle de personnage n'est pas encore... Ok, bah, on va essayer de faire ça. Je vais faire ça hors caméra et puis je vous retrouve dès que j'ai la pièce de puzzle. Il faut que j'accepte 9 couilles du facteur, easy. Ah bah voilà le petit mini-jeu en fait du coup. Mais si ça je me souviens. Je me souviens pas du tout. Ok, c'est compliqué parce que je sais pas où est-ce que... C'est quoi qui scanne, c'est la partie centrale? Ok, si je me souviens, ça y est effectivement y avoir joué. Bon bah écoutez, j'allais dire, il est venu que 8 fois, il est pas venu 9 fois, bah heureusement. En fait du coup c'est ça le problème dans ce niveau là, c'est que du coup si on accélère pour gagner des points bonus, bah les objectifs ils peuvent pas être finis à temps quoi, voilà. Très bien, et bah écoutez ça y est, j'ai débloqué vous venez de déverrouiller la boutique Oliver, rendez-vous dans les boutiques pour dépenser vos cœurs et vos diamants en échange d'améliorations qui vous permettront de marquer de plus gros scores. Ah bon? Bah y avait pas eu ça. Débloque Olive. Olive vous octroie des cœurs supplémentaires lorsque vous la trouvez. Ah, c'est trop mignon. Et débloque Punky, le octroie du temps supplémentaire au chrono lorsque vous le trouvez. Ah, c'est rigolo ça. Eh ben, on va prendre ça, par exemple. Et du coup, on va tester un truc. Bah écoutez, on teste, on est là pour tester, hein. C'est pas grave, la vidéo va être un peu plus longue. Ah, ok. Du coup, je peux accéder à toutes les boutiques ici. Ah, parfait. Nickel Chrome, tout ça. Alors, attendez, attendez. On va aller acheter des trucs à la clinique. Donc, patience lit plus 1, pansement plus 4 cœurs. Moi, je veux des cœurs. Give-moi les cœurs. Voilà, très bien. Et la patience dans le lit. Écoutez, j'ai de l'argent, je suis riche, je dépense. Voilà. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de voir si on va voir Olive. Ah non, mais là, il y en a que 12 sur 13. Comment se fait-ce? Ah, il faut peut-être... Ah là j'ai pas eu la pièce. Ah oui là j'avais pas eu la pièce de puzzle. Et comment ça se fait que j'avais pas eu la pièce de puzzle? Ah bah je vais essayer de la voir. Allez, on se retrouve à la fin de la journée. Ah mais oui c'est vrai, je me souviens. J'en avais fait que 14, pourtant j'avais l'impression d'être bon quoi. Ok. Ah super, j'ai amélioré le poste, il y a plus grande patience. Et là ça donne des trucs en plus, mais génial. Bon en vrai c'est pas mal, mais ça fait vraiment trop penser à des jeux mobiles, donc en vrai, je sais pas, il y a un côté qui me dérange par rapport à ça, je sais pas vous. Allez, hop, tu quoi, hop, je fais des trucs rapides, là, allez, on se dépêche, Chic, toi, je t'installe direct, toi, tu viens là, comme ça, tu gagnes des points, je te nettoie ça. Ok, Chic, tchac, allez, vas-y. Parce que la dernière fois, je vous jure, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour y arriver, mais je n'ai pas réussi. On va appeler des gens. Ah, pardon, désolé, ah, bah là, voilà, bah, j'ai foiré, bah, ça y est, j'ai foiré, je m'en fais de me taire. Chic, tchac, tchouk, chic, tchac, tchouk. Allez, on se retrouve à la fin de la journée. Vite, vite, vite. Voilà, sois rapide. Mais non, mais j'ai pas gagné. Comment ça se fait? Je comprends pas. J'avoue, je comprends pas trop, là. On va appeler des gens. Quoi? Déjà? Terminé? Je comprends pas, je viens de cliquer. Bah, c'est pas possible, c'est trop bizarre. Je vais jamais y arriver à cette histoire. Toi, tu viens là, toi, tu viens là, toi, tu viens là... Ok, tchic-tchac, tchou. Alright, parfait. Ah, toi tu viens là, hop, on fait ça. Ah, j'avoue, je comprends pas du tout. Qu'est-ce que j'ai loupé? Bah, ça m'étonne. Ça m'étonne. Bon, écoutez, je vais réessayer une dernière fois. Et puis... Ah, mais peut-être que je pourrais y arriver en ayant des bonus, en fait. Voilà, il faut que j'achète des bonus supplémentaires, c'est pour ça que je peux pas y arriver pour l'instant. J'en sais rien en vrai. Bon, attendez, du coup on va essayer de faire ce niveau et on va voir s'il y a, comment elle s'appelle, notre petite bichette là, Olive là, elle est là, on va voir si elle apparaît. Allez, on se concentre. Tous les cobayes apparaissent en même temps, attraper au moins 60 cobayes dans la salle de repos des médecins. Ok. Ah bah voilà, Olive. Oui. Oui, ah oui, oui, elle est là, ah oui, ah oui, ah oui. Purée, faut se détendre. Ah, ah, ah. Là, Olive, des cœurs, donne-moi des cœurs.
Ah, c'est rigolo, parce que du coup, après, si on peut acheter d'autres hamsters, j'imagine qu'on va avoir Oh purée, on va exploser le score. Vite, 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 Pixel, vas-y, clique, 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 vas-y, clique sur ces petits hamsters. Allez, Olive, allez, Olive. Allez, 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 Pixel. Ouais, j'ai pas vu le temps, je vois pas le temps. Je vois pas... Quoi? Oh purée. Eh ben... Purée, j'ai même pas 5 étoiles. Purée, mais c'est dingue. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir mitraillé le bouton de souris. Là, laisse tomber. Ah bah, j'ai changé de niveau. Oh, mes oreilles. Ok. Ok. Eh ben, et alors, attendez, ça sert à quoi, ça, déjà, en vrai? Bon, écoutez, j'avais dit qu'on allait faire quand même un niveau de plus. C'est quoi, ça? Trouver la tasse de café d'Alison que Freddy a cachée. Ok. Monsieur Douglas souffre d'un déficit immunitaire qui l'a conduit à être régulièrement hospitalisé au fil des dernières années. Tout s'est classé au suivant. Toutefois, là... Oh là là, il est de retour, lui. Toutefois, la combinaison de l'engourdissement de la jambe et les violentes convulsions sont des signes typiques d'une maladie auto-immune. Maladie auto-immune, on pourrait écrire ça sur un t-shirt. Assurons-nous d'abord de te faire sortir de cet hôpital, mon chou. Ok. Je veux que chacun d'entre vous me présente un diagnostic d'ici la fin de semaine. Cette présentation sera, bien entendu, fondamentale pour la réussite de votre stage. J'ai bien dit fondamental, mademoiselle Hart. Ah ah, ce sera tout. Bah, effectivement, il pourrait avoir, si c'est auto-immun, il peut avoir une sclérose en plaques, effectivement, quoi. Avant que vous ne partiez, à qui appartient ce mug? Ah, à vous, mademoiselle Hart, bien entendu. Ainsi, donc, vous êtes le meilleur médecin du monde. C'est bon à savoir, dans ce cas-là, la tâche que je vous ai assignée ne devrait pas vous poser de problème. Rompez! Je comprends pas cette malveillance que les gens ils ont les uns pour les autres, je sais pas. En vrai, soyez gentils avec les gens, ça vous prendra moins de temps qu'être méchant, quoi. Et puis surtout, ça portera de la vraie satisfaction, quoi. Trouvez la tasse de café qu'Alison a. Que Freddy a caché, bah elle est là. Non? Ok, je suis pas sûr de comprendre. Ah, il va la cacher 3 fois. D'accord, j'ai compris. Bon, on va appeler des gens. Et on se retrouve à la fin de la journée, parce que pour le coup, il n'y a rien de spécial. Ah, le voilà, regardez le faire. Hop! Il prend ma tasse et il faut que je la trouve. Ah bah il l'a mise là. Ah bah purée, moi je... Oh non mais je quitte n'importe où là. Hop, je suis allé là-bas, n'importe quoi. Allez, on se retrouve à la fin de la journée. On y va! Oh purée, elle est brûlée de ouf celle-là, la pauvre. Vite. Allez, les 3 étoiles. Voilà, parfait. Et bah voilà, c'est la fin de la journée. Ça s'est bien passé. C'était rapide. Et voilà, hop. C'est parti. Bon bah écoutez... On va essayer de voir ce que ça donne à la fin de ce niveau, et puis ça sera la fin déjà, hein. En vrai, ça fait 31 minutes que je joue, là. Bon, allez, là, il faut y aller, là. Ouais, et c'est vrai qu'on voit pas vraiment le temps passer quand je joue à celui-là, mais du coup, quoi, j'ai que 3 étoiles, je comprends vraiment pas. Vous voyez, à l'époque, genre, j'avais tout le temps 3 étoiles, tout le temps. Ah oui, mais c'est vrai qu'on pouvait avoir que 3 étoiles maximum. Mais là, c'est vrai que du coup, avec l'histoire de bonus qu'on peut récupérer et tout, bah forcément, ça influe. Oh, interphone, certains patients ont besoin de Sophia. Ok, trop cool. Voyons voir. Oh... Je suis désolé, Alison, j'aurais dû m'intéresser un peu plus à toi dernièrement. Ah, ce n'est pas de votre faute, John. Disons que les choses ont quelque peu différentes. Certaines choses qui se sont passées et que tu as faites, tout ça aurait évidemment compté pour tes examens si nous étions encore à Little Creek. Ce vieil hôpital me manque. À moi aussi, Alison, à moi aussi. Georges, vous auriez une minute à m'accorder? Malheureusement, oui. C'est à propos de mon emploi ici, superviseur général. Nous avons créé ce poste spécialement pour vous, mais ça n'a aucune véritable fonction, il n'y a aucune responsabilité à proprement parler. Quel est le problème, au juste? Ah! Je suis désolé, je voulais pas! Bien sûr! Oh là, mais ils sont tous désagréables, hein. Bon, eh ben écoutez, on se retrouve... Ah oui, du coup, la pièce de plaise, elle partait là-bas. Ah, l'album photo, trop drôle. Bienvenue dans l'album photo d'Alison, débloquer toutes les photos pour voir les histoires correspondantes et revenir régulièrement pour en découvrir de nouvelles. Vous avez une nouvelle photo? Ah, bah voilà à quoi ça sert les diamants. Débloquer les images en achetant différentes parties de celle-ci. Allez-y, essayez. Oh, débloquer complètement toutes les parties de la photo spéciale pour regarder l'histoire. Ah, trop drôle. Eh ben, j'en sais rien, on va prendre la table. Ok,
J'en sais rien, il me reste 170, allez, on va prendre 150. Bim, et on va prendre 25. Ok, très bien. Parfait. Et ben voilà. Et ben ce que je dis, c'est que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que, du coup, vous voyez, on avance tout doucement dans l'histoire principale. Parce que, en fait, on est obligé de faire tous ces petits niveaux accessoires. Et en plus, vous voyez, genre, là, j'ai qu'une étoile sur 5. Et du coup, ça va être compliqué. Ah, bah super, j'avais même pas vu ça. Des nouveaux trucs pour la boutique. Elle en ferme. Voilà, et allez, bah, prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous. Surtout en ce moment, hein, y a la canicule qui va commencer dans pas très longtemps, peut-être. Donc, voilà. Passez-vous des coups de fil, et puis occupez-vous les uns des autres. À très bientôt. Peace out.